La fondation LIDEC, elle est partenaire de la Fondation marocaine de l'étudiant. Et au fait, la Fondation marocaine de l'étudiant a lancé un cycle dans le cadre de ce mois de mars où nous avons effectivement le 8 mars, la Journée internationale des droits de la femme. Elle a lancé un cycle sur le leadership au féminin. Et donc, elle a demandé à ses partenaires de pouvoir présenter des parcours de femmes inspirantes qui travaillent effectivement au sein des entreprises partenaires. Et donc, on m'a demandé de venir parler un peu de mon parcours. L'idée, c'était vraiment de partager avec ces jeunes étudiantes qui sont tellement inspirantes mon expérience par rapport à mon parcours, certes, mais surtout par rapport un peu au domaine de l'écosystème de l'innovation et d'entrepreneuriat marocain. Mais au-delà, de pouvoir un peu leur faire passer des messages clés, des messages qui vont les aider par la suite à pouvoir oser lancer leur propre business et leur start-up. Et donc, un échange très, très constructif parce que c'est clair qu'on est là, on se dit, pour partager notre expérience, pour faire du give back. Mais finalement, on se retrouve à énormément apprendre de ces jeunes étudiantes. Elles sont jeunes, elles sont smart, elles savent aussi ce qu'elles veulent. Et donc, c'est toujours intéressant de pouvoir échanger avec elles, de pouvoir apprendre à les connaître. J'ai pris un moment pour leur donner la parole, pour les écouter, pour voir un peu aussi leur objectif et comment elles se donnent les moyens pour y arriver. Et j'ai essayé de les accompagner, de les aider à trouver, en tout cas, les bonnes solutions pour persévérer. Notre partenaire, la Fondation LIDEC, n'a pas hésité de mobiliser ses collaboratrices inspirantes pour partager leur parcours et inspirer nos jeunes bénéficiaires et partager avec elles des conseils précieux. Je les remercie énormément pour leur générosité et leur partage. On a été introduit au monde de l'entrepreneuriat. On a vraiment été très encouragés pour cela, surtout qu'on est dans notre contexte culturel et avec nos parents et tout, on est plutôt dirigé vers le salariat. Et quand on parle d'entrepreneuriat, surtout ça nécessite beaucoup de compétences, d'audace, vraiment beaucoup de choses qu'on doit développer. Et connaître ça pendant qu'on est en phase d'études, c'est vraiment essentiel pour être bien dirigé dans sa vie. À cette occasion, je veux remercier LIDEC pour cet événement qui est très très intéressant, surtout pour moi en tant qu'étudiante qui veut aussi créer une carrière professionnelle très très réussie. J'ai appris beaucoup de choses. Premièrement, profiter des carrières inspirantes des personnes qui travaillent à l'IDEC, ainsi que les success stories, et puis quelques soft skills à apprendre qui vont m'aider après dans mon parcours professionnel.